On dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes. Des fantômes. Ryan dit que c'est un effet secondaire des plasmides. Les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique. Des fuites, des cinglés, une rébellion. Et maintenant, des fantômes. La vie n'est-elle pas formidable, à Rapture ? La procédure d'augmentation est un succès. Les limaces n'ont pas fourni assez d'adam pour une utilisation à grande échelle. Mais en les combinant avec l'autre, nous avons obtenu un résultat. La limace est incrustée dans la paroi de l'estomac et se nourrit des aliments ingérés par l'autre. Nous pouvons ainsi obtenir 20 à 30 fois plus d'adam utilisable. Le problème, c'est que nous manquons d'autre. Fontaine me dit « Patience, Tenenbaum. Bientôt, le premier refuge pour petite sœur sera ouvert et le problème sera résolu. » Vous pouvez me faire. Aujourd'hui, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture? Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter et je sais qu'il signe mes chèques. La seule chose qui est pire qu'un hypocrite, c'est un hypocrite au chômage. Thank you.
rentre. Dégagez de mon territoire! Allez, venez vous battre! C'est mon territoire! Oh! Tu crois que je suis stupide à ce point? Pourquoi pas? Allez, après tout, c'est pas mon problème. Des prix.
Dupez les systèmes de sécurité! Détournez les robots et les tourelles vers vos ennemis! Père Toto, petit ange. Pression considérable pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires. Des démences, tu vas te pousser. À quoi bon défendre notre idéologie si elle n'est pas mise à l'épreuve? Le marché n'est pas comme un enfant qui pleure au moindre signe de mécontentement. Le marché est patient. Nous devons l'être aussi.
Minute. Le premier test du vecteur Lazare serait très prometteur. Si ces roses fleurissent, je sais que nous tiendrons le bon bout. Dépêchez-vous, le bouclage ! Comment ? Très bien, je m'en vais. Mais il faut que quelqu'un revienne pour examiner ces échantillons. C'est très important. Incroyable de voir comment les choses ont changé depuis que j'ai quitté le bureau du docteur Steinman. Je ne reconnais presque plus Rapture. On dit qu'ils ont même rassemblé les gens sur la place Apollon. J'ai demandé à Ryan comment il pouvait faire de telles choses à des innocents. Il m'a répondu... Des innocents. Ils n'ont pas choisi de défendre Rapture, mais ont préféré s'acoquiner avec Atlas et ses bandits. Ce ne sont pas les innocents. Il y a les héros, et il y a les criminels. Ah!
risquez d'entendre ou de lire mon nom à droite à gauche. Je vais être franc avec vous. C'est on dit, je m'en fiche complètement. La politique, mais la politique, ce n'est jamais que l'art d'assassiner ses semblables avec des mots et au grand jour. J'ai fini tout ça. Tout ce que je veux, c'est revoir la tête de l'île. J'ai acheté une forêt à la surface. Les parasites ont déclaré que c'était le pays de Dieu et que je devais ouvrir un jardin public. Pourquoi ? Pour que la vile multitude puisse souiller de son admiration stupide la canopée et se figurer l'espace d'un instant être en paradis. Quand le Congrès a nationalisé ma forêt, je l'ai réduite en cendres. Ce n'est pas Dieu qui a planté les graines d'Arcadie. C'est moi. Ha ha ha.